Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose un travail respiratoire qui s'appelle donc la cohérence cardiaque. C'est une respiration qui a de nombreuses vertus, notamment pour réguler le stress. Donc je vous propose 5 minutes de cohérence cardiaque. On va faire 6 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration par le nez et il faut que vous ayez une certaine facilité. D'accord ? Il ne faut pas que vous soyez... Je suis à court de souffle, d'accord? On inspire, on contrôle le souffle, on expire, on contrôle le souffle. Tout du long, 5 respirations, j'utilise une petite application pour m'aider. On va mettre aussi dans la vidéo la musique, comme ça, ça vous aidera à vous concentrer. Et on est parti, donc on expire tout et inspire. Expire. Tranquillement. Expire. Continuez, ça fait une minute. Deux minutes, restez concentrés. Trois minutes, on continue. Cinq dernières respirations.
bien tranquillement. Donc, c'est une respiration qui peut vous préparer à de la méditation où après vous restez et vous gardez simplement l'attention sur votre souffle. Vous pouvez aussi la faire avant de dormir, dans la voiture, n'importe quand. La seule chose, c'est essayer d'être droit, la colonne droite. Donc là, moi, je me suis assis en lotus, mais vous, vous pouvez vous asseoir simplement sous Sukhasana, rehausser les fesses si vous avez besoin et tranquillement, contrôler le souffle 5 minutes, donc idéalement 3 fois par jour si vous avez certaines pathologies comme par exemple l'hypertension, des problèmes d'apnée du sommeil, des problèmes de stress. Et si vous pouvez, vous le faites avant de dormir, comme ça, ça vous aidera vraiment et vous verrez que le mental il sera beaucoup plus stable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse d'autres travails. On a des respirations plus compliquées, des alternées avec des rétentions de souffle. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. À bientôt.